aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qu'on m'avait demandé au sujet de mes broderies. Alors, ce que j'ai fait, ce que j'ai fait, ce que je brode en ce moment, voilà. Ce que je brode en ce moment, et bon, les projets, il n'y en a pas pour après, puisque bon, j'ai surtout des broderies que je fais à l'instinct. Voilà, j'ai envie de la faire, voilà. Et j'essaye de les finir. Comme ça, c'est plus difficile, vous allez voir. Alors, je vais d'abord... Ça fait du bruit partout. Alors, je vais d'abord vous montrer celles qui sont au mur, dans ma première pièce. Donc, vous allez en voir une qui est un monochrome bleu. Donc là, je ne sais plus le nom du créateur. Désolée. Et la deuxième que vous allez voir, c'est une création à moi. Je vous montrerai après la grille. Et après, on reviendra ici et je vous montrerai la suite. Alors, voilà que j'ai fait il y a très longtemps. Enfin, plutôt une. Voilà, la date est dessus. 2007. Donc, ce n'était pas la date qui était sur la broderie normalement. Mais moi, j'ai mis la date où je l'avais fait. Je ne saurais plus vous dire le nom du créateur, par contre. Voilà. Ensuite, alors on va essayer de voir derrière ma plante. Voilà. Ça, c'est une création à moi, par contre. Voilà. C'est une grille que j'ai faite, moi, que j'ai dessinée. Je vous montrerai tout à l'heure. J'aime beaucoup les monochromes. Hop, la plante. Alors celle-ci, j'ai peut-être déjà dû vous la montrer. C'est une des dernières que j'ai finies. Voilà. Donc celle-là, c'est... une création d'Isabelle Vautier. Voilà. Donc là, c'est quand même assez grand. Ça fait à peu près 1 mètre. Alors, je vous montre de loin ce que ça fait. Voilà. Donc, normalement, à la base, c'est un monochrome. Et moi, je l'ai fait en 2 couleurs. Et j'ai rajouté le petit cœur ici. Et la petite dentelle. Donc je l'ai monté, je l'avais déjà expliqué, mais je l'ai monté avec des pattes. Et j'ai pris un morceau de bois. Voilà. Je fais un petit montage comme ça. Donc voilà, vous avez vu. Alors, la création à moi que vous avez vue, c'est celle-ci. Voilà. Ah, vous allez voir à l'envers. Je suis désolée. Donc, mais je vous mettrai la photo. Voilà, donc c'est celle-ci. Donc, je les avais fait. Donc, j'en ai plusieurs. Hein, que je vous mettrai les photos en fin de vidéo. Les créations que moi j'avais faites, que d'ailleurs je revends maintenant,
mais je les vends sur mon groupe le vide atelier éphémère, mais bon, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Alors, voilà, il y a du bruit. Enfin, il y a beaucoup de bruit avec les voitures, les motos aujourd'hui, parce que dans ma ville, je fais une petite aparté, dans ma ville, il y a un jeune qui a eu un accident de moto en 2018, très très grave. Je ne sais plus si c'était lui en tort ou pas, mais bon, ce n'est pas le problème. Il est resté paralysé, il est devenu aveugle. Et là, on lui parlait, donc depuis 2018, maintenant, on commençait à lui parler de peut-être lui couper une jambe. Et demain, ce jeune homme, ce sera son dernier jour de vie. Il part en Belgique pour se faire euthanasier parce qu'il ne veut plus vivre comme ça. Et donc depuis 2-3 jours dans ma ville, tous ses amis ou les gens qui ne le connaissaient pas, sa maman a demandé qu'on lui rende des hommages parce qu'il aime beaucoup la mécanique, les motos, les voitures qui font beaucoup de bruit, tout ça. Et donc depuis 2-3 jours, c'est surtout près de sa maison, il y a énormément de voitures, de motos qui vont près de chez lui et puis bon, qui l'emmènent en voiture, pas en moto, mais bon, même la police, il est monté sur la moto de la police, tout ça on l'a vu en vidéo. Donc là, ben, ces 3 derniers jours sont merveilleux pour lui, voilà. Sa maman est avec lui et tout, et là, mais demain, voilà. Donc, c'était une petite aparté très triste, mais voilà. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on entend quand même beaucoup de motos et tout ça. Donc, voilà. Donc, demain, malheureusement, ce jeune homme ne sera plus avec nous. Donc, enfin, moi, je ne le connais pas, hein, je ne connais pas du tout. Mais bon, voilà, on aura une pensée pour sa maman et puis sa famille. Donc voilà, bon, je vais vous continuer à vous montrer donc les broderies que j'ai terminées. Alors, ça c'est la dernière que j'ai fini après la grande que je vous ai montrée qui est au mur là de Isabelle Boutier. Donc là, c'est embêtant parce que c'est à l'envers. Alors attendez, je vais tourner le téléphone. Alors j'ai changé de place, ça ira beaucoup mieux. Voilà, donc ça c'est le dernier que j'ai terminé. À l'endroit c'est mieux. Le dernier que j'ai terminé, voilà, c'est un lily point. La compote de poire vanillée. Donc celui-là, je l'ai terminé il n'y a pas longtemps. Celui-ci, que j'ai arrangé un petit peu à ma sauce en rajoutant des petits boutons, des petits nœuds. C'est un modèle d'Isabelle Vautier. Avec tous les minous. Donc normalement c'était un monochrome aussi, mais je crois me rappeler que c'était un monochrome. Mais bon, j'ai mis un peu ma touche personnelle. Celui-ci, alors là, ça fait très longtemps qu'il était fait. Il avait été encadré. J'ai enlevé le cadre, il faudrait que je le remette en cadre. Je ne sais pas du tout le nom du créateur. C'est une grille que j'avais eue comme ça. Mais là, ça fait bien 15 ans ou
ans, même 20 ans que je crois que je l'ai brodé. Là, une que j'ai brodée il y a 5 ans, peut-être. Voilà. C'est un modèle DMC. J'ai beaucoup aimé le faire. Ça a été long. Mais je l'ai fait. Alors, il y a des modèles que j'avais fini que je n'ai plus parce que j'avais fait le cartonnage avec. Et du coup, les boîtes sont parties. Et je n'ai plus mes broderies du coup. Alors, ça, c'est ce qui est terminé. Alors, en ce moment, ce que je suis en train de faire, c'est celle-ci. Donc là, c'est la compote de pommes vanillée aussi, je crois. À la vanille, oui. Voilà, donc un lily-point également. Donc, je vous montre la photo. Donc, voilà, c'est le modèle, c'est ça. Mais j'ai d'autres broderies de commencer. Alors, les broderies de commencer. Les plus récentes, on va dire. Les plus récentes. Alors, c'est encore une Isabelle Vautier. J'ai commencé l'année dernière. Voilà. Il n'y a pas fait grand-chose. Normalement, il y a deux personnages. Et puis, il y a tout l'alphabet. Alors, je vais regarder si j'ai le modèle. Ah, j'ai pas là. Je l'ai pas là. Mais bon, je vous montre comme ça. Voilà ce que ça va faire. Voilà. Là, c'est une photocopie hein, que j'ai faite. Je fais toujours des photocopies. Comme ça, je peux barioler dessus ce que j'ai déjà fait. Donc, en voilà une. Ah, je me pique à l'aiguille. Alors, je commence souvent. Je m'y remets, hein. Je m'y remets, mais bon. Et là, en ce moment, bon, je suis sur les lits, point. Alors, celle-ci, alors, la toile est très, très grande parce que normalement, c'est un très grand ouvrage. C'est un sale sur lequel je m'étais inscrite sur Facebook. Mais vous voyez la grandeur de la toile pour vous dire que je n'ai pas encore fini. Je ne suis que vraiment, je ne suis qu'à la cinquième partie et il y en a 12. Non, quatrième partie et il y en a 12, oui. Voilà. Donc la toile, alors je vais la mettre là. Hop, et elle va au bout de mon bras. De l'épaule au bout de mon bras. Donc là, celle-là, j'ai encore du boulot, hein. Là, par contre, je ne peux pas partager la toile ni rien puisque c'est une toile qui était vendue. La personne interdit complètement que l'on partage sa toile. Donc, je ne vais pas faire de bêtises. Hein. Voilà. Je vais mettre ça là. Ensuite. Alors ça, c'est des toiles qui sont commencées depuis très très longtemps. Et j'ai commencé à avoir des problèmes de vue et du coup, je les avais un peu abandonnées.
Et là, je vais, comme mes lunettes vont un peu mieux, je pense que je vais les reprendre. Donc, c'est Lily Point. C'est les macarons. J'étais pendant un moment très accro au Lily Point. Et d'ailleurs, j'avais envoyé des toiles à une amie pour qu'elle me les termine. Et j'ai toujours pas vu, j'ai jamais vu le retour des toiles. Donc, bon. C'est rien, c'est pas grave. Et là, celle-ci, sur le thé. Pareil, il ne reste plus grand-chose à faire. Il reste un petit peu là. Et finir le motet. Oui. Voilà. Là, je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Là, il y en a une, mais je sais pas ce que c'est. Ah oui, mais là, j'ai plus la grille, par contre. Ouais, non, là, je n'ai plus la grille. Et ça remonte à... Oui, ça remonte à 20 ans. Donc là, je n'ai même plus la grille. Donc, je découperai, puis je récupérerai la toile. Voilà. Donc, ça, c'est pour les vieux ouvrages. Mais c'est ça, hein, j'ai beaucoup de choses en route. Et une que j'avais, alors je m'y fais pas. J'arrive pas à m'y faire. J'avais été. On m'avait demandé en partenariat pour une toile de broderie. Donc j'avais dit oui. Donc là voilà. Donc c'est un Yorkshire, hein. Vu comme ça se voit pas trop. Donc j'avais commencé ici et ouais, là un petit peu, mais j'ai du mal. J'ai du mal sur une toile comme ça. Donc pour l'instant, les mises de côté. J'ai beaucoup de mal sur celle-là. Faire les toiles blanches. Donc celle-là, je sais pas ce que je vais faire. Parce que voilà, parce que c'est le dessin, vous voyez. Donc elle va sûrement être abandonnée, mais bon, je sais pas. Et là, c'est pas une broderie. Je vais dire plein d'ouvrages. Mais c'est pareil, hein. Là, vous allez me dire, là, je n'y arrive pas parce que c'est coloré. Mais là, oui, parce que là, c'est pas pareil, c'est du canevas. Donc là, le canevas, je le fais de temps en temps. Fifi, non. Je m'en fous. Voilà, donc c'est un canevas. Donc de temps en temps, je vais dessus. Donc, il y a encore, alors de l'autre côté, vous voyez, on voit où est-ce que c'est pas brodé. Vous voyez, il y a quand même encore un peu de boulot dessus. Hein. Mais là, de temps en temps, je fais quelques croix. Donc, voilà. Tout ce qui est. En cours, fini. Alors, les broderies que moi j'ai dessinées, donc les voilà. Alors, celle que vous avez vue dans ma pièce par là, qui est au mur, c'est celle-ci. Voilà, donc j'ai essayé de vous la montrer tout à l'heure, mais c'était à l'envers. Donc, voilà, à cette époque-là, quand j'avais fait ça. Ça, je m'appelais les petites fées brodeuses, donc ça remonte vraiment à très longtemps, et donc c'est bien moi, hein. Voilà.
Ouais, ça remonte à très loin. Pouf. Je sais plus. Il y a une quinzaine d'années, je pense. Ouais. Donc, voilà. Voilà. J'en ai perdu, hein. J'en ai plus beaucoup, mais j'en ai perdu. Voilà, une très... Alors là, c'est une très grande monochrome aussi. Donc, c'est une qui fait environ 50 cm sur 50, suivant la toile qu'on va prendre. Celle-là, je n'ai jamais brodé encore. J'ai toujours dit, bon, je le ferai un jour. Hein, j'ai fait la grille, peut-être que je le brode un jour. Donc, on verra. Un feu d'artifice, c'est peut-être pour ce jeune homme. Alors ici, donc là la phrase autour, c'est ouvrage soigné, brodeuse appliquée, main brodeuse, main heureuse, ouvrage bien fini, brodeuse accomplie, brodé brodé et le temps oublié. Ouais, je pense que c'est pour lui qu'ils ont fait un feu d'artifice. Là, l'arbre de vie que j'avais fait. Voilà. Et les derniers, bon, c'est les petits. Coloré, c'est très rare. Voilà, la vie en rose. Et une petite coccinelle qui nous dit, oh que vous êtes jolie, demoiselle coccinelle, j'aime vous voir dans les plis de mes roses éternelles. Voilà. Donc voilà, ça ce sont mes créations de grilles. Alors si jamais l'une d'entre vous est intéressée par une ou plusieurs de mes grilles, ben, n'hésitez pas. Pour l'instant, vous pouvez les avoir en allant sur mon groupe, mon buis de grenier éphémère. Hein, je remets le lien en barre d'infos. Ou alors vous me le demandez par email, carrément. Voilà. Donc voilà, toutes mes petites broderies. J'avais rien d'autre non à vous montrer pour le moment. J'espère que la vidéo vous aura plu puisque vous me l'aviez demandé. Et maintenant, on se retrouvera pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous, bisous.